J'ai le nez qui me gratte. Vas-y, gratte ton nez. C'est parti. Tu me dis quand? Jamais 203, on pourrait refaire quand même. C'est vraiment le point de ralliement parce que on vous l'a présenté tout à l'heure. C'est l'AGM, la grand-mère. Mémé Vermel. Hein voilà. C'est beau Valérias. Ah oui, bah, c'est animé en ce moment. C'est animé. On va dresser maintenant. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais toi? Deuxième étape du menu. On va passer aux choses. Aux choses sérieuses. On va passer. Aux choses sérieuses. Vas-y, on le fait. On va leur faire. Ouais. C'était bien ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, vulgairement, faire rancir la viande. C'est malgré tout un métier d'affiné. Je vais te donner. Pourquoi tu es en train de rigoler comme un sgeg là? L'autre, il voit la viande de bœuf, il est comme ça. Tu t'en bagnes. On continue. Il faut laisser la côte de bœuf presque se chauffer pendant 2-3 heures à la viande, à la vendre. À... Pendant 2-3 heures à l'avance. Il faut laisser la viande. Ah bah non, on va. Finalement, à la maison, quand vous arrivez, vous la laissez sur la table et puis 3 heures après, vous pouvez la mettre dans votre poêle. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux. Mais non, parce qu'il faut que la viande soit chaude, couillon. Il faut le mettre à température ambiante. Ah putain! Il faut remettre en température ambiante. Et si ça a une fit. La température, c'est toujours. Désolé. À 180 degrés. Non, mais non. Si, ça va, elle est bien. Et d'ailleurs, on avait oublié de dire la température. À quelle température, Vincent? 180 degrés. À peu près? À peu près. Précisément. Voilà. Ouais. Mais attends, mais vous entendez tout ça, genre chez vous? Ils doivent passer des soirées. Une rasade de salle. Eh, tout simplement. Putain de merde. Alors là, je suis désolé. Hein. Bon goût. Tout simplement. Ah bah je te le ferai pas 10 fois. Mais bon, on va pas faire le jeu non plus parce que là c'est bon. Ah t'as vu, il a été... Il a mouillé les lèvres. C'est le moment de trinquer. Marie. Je suis. C'est une image. À conserver, à réserver pour plus tard Vincent. J'en mets de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. De quoi j'en mets de partout? Ah ouais. Alors on va faire une petite goutte, hein. Pas dans le caleçon, hein, mais... Là. Vous êtes content, les stagiaires, de travailler chez Hot Bird en chemin? Juste, on va essayer de rire. Touche tes fesses. Putain, c'est pas possible. Chocolat blanc, il nous faut un peu de crème. Vincent en a mis énormément, on est d'accord. Tu m'as mis 300 grammes là, non? 200 grammes. Tu m'as mis 300 grammes. De quoi? Hello darkness, my old friend. Tiens bien. Je peux plus moi de lui. Hein, Non mais sérieusement, hein, franchement. À deux, on va être puissant. Toujours généreux, hein, ça se voit. Hein. On mange pas à l'hôpital. Et ensuite, une fois que ça a commencé à bouillir, on laisse juste une minute quand l'eau bout. Il n'y a pas besoin de mettre. Non, il m'a mis beaucoup trop d'eau. Il a toujours trop, je vous le dis. Donc, vous voyez, on va commencer. Okay, je vais faire un insert sur les pommes. Là. Hein? C'est les pommes de terre. Sur les pommes. Oui, bon, ok. Il fait vachement loin. Regardez-vous. Attention, vous allez...